Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Iris 2 par Isotope. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos, partager un maximum autour de vous, donner de la force. Donc comme on peut voir sur le site de Plugin Boutique, le Iris 2 est à 10€ au lieu de 149€. Donc c'est vraiment une très bonne occasion. Je vous conseille d'aller vous le procurer, puisqu'en fait déjà dès le départ vous avez 11Go de banque de son. Le synthétiseur a l'air complexe comme ça, mais il est relativement simple à utiliser. Ensuite, sa force, c'est qu'on va pouvoir faire un layering de 4 samples directement à l'intérieur du synthétiseur et on va pouvoir disposer de toutes les options de synthèse, programmation de LFO, d'enveloppe. On a 5 LFO, 5 enveloppes pour créer des modulations. Bref, on va aller voir ça directement dans Reason. Vous pouvez avoir de plus en plus d'informations directement aussi sur le site d'Isotope avec pas mal de vidéos. Mais le VST est à 149€ quand on va sur le site. Donc moi, je vous conseillerais d'aller direct chez Boutique Plugin pour vous l'offrir. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Reason. Donc on se retrouve dans Reason où j'ai tout simplement mis une instance de Iris 2. Donc le synthétiseur se présente de cette façon à l'ouverture. Vous allez avoir déjà la possibilité d'aller choisir des presets dans le preset floater. Ici, vous avez directement accès aussi. Il y a la possibilité de programmer des macros. On peut aller jusqu'à 4 samples. Donc là, vous avez sample 1, sample 2, sample 3, sample 4. Ici, en appuyant sur All, vous allez avoir les 4 samples directement. Ici, en appuyant sur Mix, vous allez avoir accès à l'ensemble des informations, aussi bien les effets que les différents potentiomètres d'accordage, de gain et de panne. Ensuite, pour activer les effets, si vous voulez mettre des synths, il vous suffit de cliquer sur Send et là vous allez faire vos réglages et après Master, vous allez pouvoir accéder aux différents effets du Master. Ici, on a une section filtre directement, vous pouvez l'allumer et ensuite vous allez choisir le type de filtre que vous voulez. En réalité, c'est relativement simple. Donc on va se faire un petit exemple directement. Je ne vais pas faire le tour de la banque de sons, il y a déjà énormément de vidéos sur internet qui l'expliquent. Ici vous avez aussi le voice mode, donc pour être en mono, en legato ou en polyphonie. Le bouton glide, un bouton intensité, le output. Maintenant, si on part dans le délire où on va intégrer un sample, je vais cliquer ici sur le dossier, je vais aller directement sur mon bureau pour aller dans un pack de samples que je suis en train de préparer et je vais choisir par exemple un sample de violon. Donc là, je vais prendre le premier sample ici, je fais ouvrir et directement sur mon clavier, je vais avoir le son du violon. Maintenant, si je clique sur le 1, je vais avoir la fenêtre avec l'image ici. Donc soit on a le spectrogramme, soit on va avoir la wave. Là, j'ai créé un accord. La chose à savoir, c'est que directement, quand vous allez importer votre sample, dans logiciel, vous avez un keyroute automatique, c'est-à-dire qu'en fait, le VST va détecter la note de pitch et va vous la mettre sur la note adéquate. Ici, juste là, vous avez deux petits locators qui vont vous permettre de créer une boucle. Donc ça peut être très pratique suivant les effets que vous voulez faire. Ici, vous avez le playback mode, donc soit lecture en avant, lecture en avant, en arrière, lecture en arrière ou lecture en arrière puis en avant. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. Ensuite, vous avez différents modes de pitch mode. Donc soit resample, radius RT ou fixe. Ensuite, vous pouvez choisir d'avoir le mode loop, le mode retrigger et enfin un bouton pour effacer le sample.
Donc là, on va retourner chercher notre petit sample de violon et on va se créer une petite sonorité toute bête à partir de one shot tout simple. Donc, par exemple, comme je l'ai dit, si je prends un son de violon, ça va donner ceci. Maintenant, je vais me mettre à moitié en mode où on voit le wave et le mode spectral. Sur le côté ici, vous allez avoir différentes options qui vont vous permettre de choisir la partie du spectre que vous allez utiliser. Le plus simple, c'est tout simplement, par exemple, de prendre le rectangle et vous allez faire un rectangle comme ceci. Donc là, si je me mets à fond ici, on peut voir que j'ai pris cette bande de fréquence. Donc si je mets en play, étant donné que j'ai mis des accords directement dans mon séquenceur, qu'on peut voir ici. Si je bouge la bande de fréquence, comme je vous le disais, on peut changer le sens de lecture. Donc là, je vais réduire ma boucle. On va avoir la lecture en avant, en arrière. Je peux très bien me mettre aussi directement uniquement la boucle en arrière. Donc là, étant donné que le sample est assez long, sans compter qu'en plus, vous voyez, il y a une partie, bon voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais me repasser en... Admettons, je laisse ça comme ça. Je vais aller sur le slot 2 et je vais importer un autre sample. Donc cette fois, je retourne dans ma banque de sons, bureau, pack de one shot, et je vais prendre par exemple des choirs féminins. Ici, j'ai des boutons de volume. Donc là, j'ai mon violon. Je vais prendre par exemple. Je peux prendre le pinceau, choisir la taille du pinceau. Et ensuite, je peux me mettre ici pour déterminer quelle bande de fréquence je vais utiliser. Donc si je me mets en spectrum, voilà. Maintenant, ici, si j'ai envie par exemple d'appliquer un filtre à ma sonorité, j'ai juste à activer ici le filtre et je vais pouvoir choisir entre des low pass, high pass, band pass et peak. Donc là, je suis en low pass New York style, quoi, en gros. Après, il y a Tokyo, Warm, Retro, Saturate. Bref, on peut tester. Si maintenant j'ai envie d'assigner par exemple mon cutoff à un LFO, ici vous avez des petits boutons, il y a juste à cliquer droit, assigner par exemple au LFO 1, et là directement je vais pouvoir jouer avec le LFO numéro 1 sur mon cutoff. Donc là on voit bien ce que ça donne. En cliquant ici droit, je peux réduire, vous voyez, l'impact du LFO. Maintenant, ici, je peux jouer sur la forme d'onde du LFO. Comme je peux changer directement de forme d'onde,
Je peux aussi synchroniser le LFO au tempo. Bref, il y a pas mal d'options. Par défaut, ici, comme vous pouvez voir, l'enveloppe de l'ensemble du son, ici sur gain, est mise sur la cinquième enveloppe. Donc si je change les paramètres de l'enveloppe, là si je réduis le release, le son va s'arrêter plus vite quand je vais relâcher mon clavier. Je peux le augmenter. Après, je peux jouer sur l'attaque si je veux faire un pad. Jouer sur le sustain. Le decay. Donc c'est vraiment très très simple à utiliser. Si par exemple mon sample 1, j'ai envie de monter au niveau de l'octave, ici je le corse, je peux très bien monter d'une octave, donc là je vais rajouter, je vais me mettre à 12. Par exemple, vous voyez. Si j'ai envie de mettre un crossfade pour lorsque le son boucle, j'ai juste à augmenter le crossfade ici. Et ensuite, je joue avec mes locators. On a aussi un offset pour que l'ensemble commence plus tard. Après, je peux très bien modifier la partie que j'ai choisie, c'est-à-dire par exemple là, je vais retourner sur le deuxième. Si j'ai envie de rajouter du chorus, je vais me mettre par exemple en scène d'ici. Je vais allumer le chorus. Et en cliquant sur la fenêtre, sur la petite flèche, je vais avoir les différentes options pour régler mon chorus correctement. Pareil pour la réverb et le délai. Là, si j'allume la reverb, je vais avoir les options. Donc déjà, j'envoie le son. Si je me mets en solo, voilà. On a un low cut et un high cut pour choisir quelle fréquence. La taille. La densité, le stéréo width et le pré.
Après, je pourrais très bien rajouter du délai. Analogue. Bref, on a vraiment toutes les options et en cliquant droit, tout peut être contrôlé, donc soit par les LFO, les enveloppes, les macros ou des contrôles. Donc par exemple, j'avais fait quelques petits patchs, alors que je les retrouve. Si je vais dans Key, voilà, j'avais créé des bells. Maintenant, si je remets tout à zéro, hop, je fais New. Je retiens le solo ici. Hop. Et je peux très bien aller chercher, par exemple, je me remets sur mon sample 1. Je retourne dans ma banque de sons que je suis en train de créer. Et je vais prendre, j'en sais rien, un synthé basse. Après, ici, je pourrais très bien me mettre en mono. Donc là, ce que je vais faire, je vais modifier un clip. Hop. Je vais le copier ici. Je l'ouvre. Et je vais garder uniquement. Voilà. Là, je vais prendre cette note-là, par exemple. Ici, cette note-là. Ici. Voilà, donc là on a le sample qui joue. Si je me remets le VST, ça donne ceci. Là je suis en poly. Si je me mets en mono, je peux affecter du glide et je vais pouvoir choisir la fréquence du synthé que j'ai envie. Je vais aller sur le sample 2. Rien ne m'empêche d'aller chercher maintenant le bureau. Une 808. Là, je vais augmenter. Alors, je vais augmenter l'octave. Je vais mettre en marche le filtre. Je peux retourner sur mon sample 1. Je vais aller rajouter un peu de distorsion. Donc je peux choisir différents types de distorsion. J'ai A-tube, Saturate, Clipping, Asymmetrical, Scream et Aliasing. Si j'ai envie de mettre du chorus sur ma basse, donc c'est un outil qui est quand même relativement puissant, assez intuitif, avec lesquels on va pouvoir créer des sonorités tout à fait atypiques. Si maintenant, sur mon son de basse, j'ai envie de rajouter, j'en sais rien moi, tac tac tac, piano, riser, string, on va mettre
un staccato, un violon. Vous voyez? Donc là, je vais augmenter le son. Si sur mon petit violon, si jamais il ne me va pas, rien ne m'empêche de retourner et de prendre un pizzicato par exemple. Si je veux changer de type de saturation, maintenant au niveau des effets, ici je peux faire mix, je vais arriver directement ici. Si je me mets en solo, et que je relance la lecture, je peux très bien rajouter par exemple du délai. Bref, je peux vraiment faire le type de son que j'ai envie. Si je veux pas avoir l'attaque, je peux me mettre directement les gâteaux. Ici, rien ne m'empêche de choisir une fréquence avec laquelle je vais travailler. Comme vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, si je me remets sur mon sample 2, que le sample 2, j'ai envie de lui affecter, par exemple, l'enveloppe. Alors, assignation, enveloppe numéro 2. Peut-être pas dû faire comme ça. Donc là, clear, assignation, sample 2, je vais aller, je lui affecte l'enveloppe. Numéro 2, je viens sur mon enveloppe numéro 2. C'est l'enveloppe. Bref, il y a pas mal de choses à faire. De la même façon, je peux très bien jouer sur mon filtre à partir
du LFO1. Donc là, je vais prendre mon filtre, clic droit, LFO1. Je vais le mettre en synchro. Voilà le genre de choses que l'on peut faire avec Iris 2. Maintenant, si on fait un dernier petit son, ici je refais New. Oui, je vais aller chercher par exemple une petite bells au niveau du sample. Donc là, je suis sur le slot 2. Bureau, back, bells. Donc là, j'ai ma première bells. Je vais rechanger le clip MIDI. Hop. Si je remets en lecture. Donc on est là. Là, je vais tout simplement choisir une partie de fréquence que je vais utiliser. Sur mon sample 1, je peux très bien aller rechercher une flûte, par exemple. Je vais rajouter du chorus à l'ensemble. Donc avec le chorus, si j'ai envie de rajouter une légère réverb, bref, vous l'aurez compris, c'est un outil extrêmement puissant, très simple à utiliser. On peut faire un max de modulation et pas mal de choses avec. Donc l'Iris 2, directement en promotion sur Plugin Boutique à 10€ au lieu de 149€. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager un maximum. Allez vous procurer ce super synthétiseur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En plus, vous aurez en cadeau Reason 11 Lite, offert par Plugin Boutique. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut!